Voilà. On va continuer. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je sais que certaines personnes ont besoin de cette prière, donc. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, et je vous dis, voici, je mets les paroles de l'Éternel dans votre bouche. Je viens arracher de votre famille, de votre vie. Je déracine tout arbre maléfique qui a été planté. Je viens abattre maintenant ces arbres. Je commande qu'ils brûlent au nom puissant de Jésus. Je vous envoie maintenant pour que vous ruiniez tout travail de l'ennemi dans votre vie. Je viens maintenant vous rebâtir. Je plante le nouveau. Ceux qui cherchent le mariage, ceux qui veulent l'enfant, même si c'est 55 ans, je viens vous restaurer au nom puissant de Jésus. Père, pour cette dizaine que nous allons faire, je viens comme ça enlever les fondations négatives dans la vie de tes enfants. Je viens mettre l'esprit de courage qui n'abandonne pas. Ceux qui étaient découragés parce que ils sont fatigués d'essayer. Ceux qui étaient découragés. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Éternel des armées, je te dis merci. Merci pour les piliers de leur famille. Ces personnes qui n'abandonnent jamais dans la prière. Ces personnes qui jeûnent tout le temps pour leur famille. Ces personnes, Seigneur, qui terrassent le travail du diable. Actes chapitre 10, verset 38. Nous sommes au deuxième. J'étais en train de faire la prière. Je me suis dit, il faut que je parle avec. Je vous fasse au mieux aussi pour vous. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous manquez de force. Pour cette prochaine dizaine que on va faire, je viens déclarer sur vous la force. Vous êtes déjà oint du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont peur de vous. Maintenant, je déclare par cette prière que la force vienne sur vous au nom puissant de Jésus. Peu importe votre localisation géographique, vous recevez la force et voici ce que vous allez faire avec la force. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vous allez faire du bien. Toute poche percée que vous avez eue, je viens par cette prière, je viens terrasser le travail du diable dans votre vie.
Je viens ouvrir maintenant les écluses des cieux sur vous au nom puissant de Jésus. Vous allez faire du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et vous allez aussi guérir. Vous allez guérir les membres de votre famille. Vous allez vous guérir vous-même. Vous allez guérir votre entourage. Je viens par cette prière activer ceux qui ont les dons de guérison. Que vous avez été opprimés, on a pris. On a couvert vos étoiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je déclare la période de consécration commence dans votre vie. Toutes les femmes parmi vous, tous les hommes, vous avez eu de la peine à vous consacrer, de la peine à jeûner, de la peine à vous isoler. Toute femme qui est envoyée derrière vous, toute Jézabel qui a été mise derrière vous, tout homme qu'on a mis derrière vous pour prendre votre puissance, pour vous décourager, pour faire que tu opères à 10% de ta puissance, et tu sais toi-même, mais tu ne sais pas comment sortir de là. Par cette dizaine, je viens donner la puissance dans votre corps. Je viens vous donner la puissance. Hébreux chapitre 4. Et d'abord, lis Éphésiens. Ceux d'entre vous que vous êtes censés commencer votre ministère depuis longtemps, je déclare que vous commencez ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 10. Je viens vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je viens vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Tout diable dans votre vie qui s'était masqué, il a été fait comme un agneau. Il prétend. Toute personne qui n'a pas été démasquée, je déclare que le voile tombe de votre visage aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 9. Versets 17 et 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Mettez vos mains sur vos yeux. En disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que Dieu m'a envoyé dans votre vie ce matin.
Je commande que vous recouvrez la vue et que vous soyez remplis du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. J'active vos dons spirituels au nom puissant de Jésus. Dons de prophétie, dons de vision, dons d'argent même. Je dépose au nom de Jésus. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Écoutez, toute cette journée, vous allez télécharger seulement le Saint-Esprit, seulement dans l'autre, dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeûnez aujourd'hui. Jeûnez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te remercie. Parce que tu nous ramènes toujours de la captivité. Tu nous sors de toute captivité dans laquelle on nous a mis. Psaume 105, verset 20. Toute douleur dans votre corps, dans votre dos, qui a été mise par des esprits malins. Toute personne qui est venue dans votre vie, que ce soit par des relations sexuelles ou mari de nuit, tout sperme spirituel ou physique qui a été déposé en vous, qui vous a attaché, par cette dizaine, je déclare que tous les effets sont annulés au nom de Jésus. Psaume 105, verset 15. Je déclare, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Tout endroit vous a vendu comme esclave. Je viens payer le prix, je vous rachète. Je vous sors de cette captivité. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Tout fer qui a été mis sur vous. Les briches kadashiens, brados coupés, avrouches karibias, scandalabos, kadabash, kadabos, kadabos. Vous devez prendre de l'huile d'olive ou de l'eau. Si vous n'avez pas de l'huile d'olive, prenez de l'eau. Vous faites une, comme si vous mettez la chaîne sur vos pieds, vous tracez. Comme si vous mettez une chevillère sur vos pieds, les deux pieds. Tout fait qu'on a mis sur vos pieds, on vous a attaché, on a écrit, tous les enfants de votre mère ne vont pas avancer. Il y en a, ils disent que, ok, tu arrives en Europe, tu vas faire 15 ans
sans avoir les papiers. Tout ça, ça s'arrête aujourd'hui. On vous trace sur le pied. Excusez-moi. Je viens desserrer les liens et je viens détruire les fers qu'on a mis sur vos pieds. Verset 19 du psaume 105 dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, je déclare que le temps est aujourd'hui. Votre temps est arrivé. Déclarez avec moi, mon temps est arrivé. La parole de l'Éternel vous a éprouvé déjà. Je commande qu'on ôte vos liens, selon le verset 20. Je commande aux dominateurs des peuples de vous délivrer. Je viens maintenant vous établir, Seigneur. Parce qu'on vous attache, c'est parce que vous étiez censé être roi. Je commande maintenant, selon le psaume 105, verset 21. Je vous établis, Seigneur, sur la maison. Partout où vous allez partir, on va vous donner la faveur. Les chefs d'entreprise vont porter l'entreprise, vous donner que mamie gère. Papa, pardon, gère mon entreprise. On m'a envoyé, je suis dans votre vie aujourd'hui. Là, ce matin, monsieur, je vais sur vous. Je vous établis gouverneur des biens de ces personnes. Je déclare maintenant qu'à votre gré, vous allez enchaîner qui vous voulez. À votre gré, vous allez mettre qui vous voulez en prison. Et vous allez enseigner la sagesse aux anciens. Seigneur, je viens déclarer que ces paroles sont établies à leur écoute. Au nom de Jésus, amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme est au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je viens sceller cette prière par le sang de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui vis et règne, toi qui étais, toi qui es, toi qui seras, toi qui assis à la droite de Dieu, de Père Tout-Puissant, d'où tu viendras juger les vivants et les morts. Amen. Voilà. Je viens vous bénir. Je déclare pour cette journée l'avancement dans vos affaires, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne va prospérer aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Vous me comprenez, non? Je mets l'avancement dans vos business. Je déclare vos activités avancent au nom puissant de Jésus. Tout fardeau qui a pesé sur vous, je déclare aujourd'hui, vous êtes léger. Vous vous envolez. Mettez vos mains ensemble, comme si vous voulez prier. Mettez, collez vos deux mains ensemble. À cet acte que vous venez de faire maintenant, j'active vos dons spirituels. J'active vos dons de guérison. J'active maintenant votre puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'enlève le doute de votre esprit. Jean chapitre 10, verset 10.
Le voleur, il est venu pour dérober, égorger et détruire dans votre vie. Moi, Jocelyne, je suis venu pour que vous ayez la vie. Je vous donne la vie ce matin au nom de Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je déclare que vous êtes dans l'abondance. Écoutez, l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il y a l'eau chez toi. Ça veut dire qu'il y a l'argent chez toi. Je vous sors de tout cercle de pauvreté, tout trou de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis tes enfants. Je déclare, ceux qui m'ont trouvé, ils ont vu que je suis leur berger, Seigneur. Je suis le bon berger. Je donne la vie. Je donne la vie à mes brebis. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et je vous donne la vie au nom de Jésus. Je prie Jean 17 sur vous. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Père, l'heure est venue, glorifie ta fille afin que ta fille te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'elle accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celle que tu as envoyée en Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné tes paroles, Seigneur, que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, Seigneur. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je déclare que vous êtes au Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Je déclare que vous restez dans le monde et vous êtes préservés du mal. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Je vous sanctifie par la vérité, la parole est vérité. Je vous envoie aujourd'hui comme le Seigneur m'a envoyé. Et je déclare que vos paroles aujourd'hui ne tomberont pas à terre. Selon 1 Samuel chapitre 2. Toute parole que vous avez déclarée aujourd'hui va s'accomplir. Je mets en vous le courage. I put boldness in you. Quand vous allez vous mettre pour parler, les gens vous disent, mais la petite fille là, c'est qui? Et le gars là, il se prend pour qui? Parce que vous savez qui vous êtes et vous savez qui est avec vous. Je viens maintenant sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Seigneur, merci. Je bénis vos journées. Merci, amen. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.